Salut Aurélie. Salut Hélène. Désolée, je suis à la bourre. Un problème avec un patient dans le service. Bah, c'est pas grave. Ça va, je t'ai pas fait trop. Non, j'étais en train de faire un peu de veille documentaire. Ça, j'avais pris un petit peu de DAC là pour le patient, là, des trucs de l'internat. Mais... ça m'a pas du tout servi, quoi. Ah bon? Non, rien qui puisse m'aider. Mais t'as pensé à faire une recherche PubMed pour ton patient et son cas? PubMed, de ce qu'ils nous ont appris là en début d'année? Ouais. Tu sais, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai mis un mot. Il a eu tellement de réponses que j'ai laissé tomber. C'est vrai? Tu sais, moi récemment, j'ai fait une recherche PubMed pour un patient et ça m'a beaucoup aidé. Et ça t'a permis d'avoir une réponse pour ton patient? Tout à fait. Et j'ai eu la réponse d'ailleurs. Ouais, je dois pas faire comme toi alors. Hein. Je t'explique? Bonjour Mme Laurent. Bonjour docteur. Je vous présente Aurélie, qui est interne en médecine générale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, ça fait, oui c'est ça, depuis 3 semaines, ouais. J'ai mal aux mains, aux genoux, aux épaules, enfin dans les articulations. Ouais. Et puis, il y a eu ces taches rouges aussi, qui sont apparues sur les jambes, mais par contre ça a disparu en 10 jours. D'accord. Et là je viens vous voir parce que depuis 3 jours j'ai très mal à la gorge. D'accord. Voilà. Ces douleurs, c'était en permanence? Pour les douleurs articulaires, oui, j'ai mal tout le temps, même la nuit, quoi. Enfin, je dors plus. C'est, pour la gorge, non, j'ai pas mal tout le temps. D'accord. Et puis, il y a aussi cette fièvre qui est intermittente. Un coup, j'ai de la fièvre, un coup, j'en ai pas. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez, on va vous examiner et puis on verra ce qu'on fait. Hein. Et là, j'ai eu une idée. Je suis. Docteur Rock, s'il vous plaît. Oui. Je pourrais avoir 5 minutes, j'ai une recherche documentaire à faire. Pas de souci, Aurélie, tu me feras part des résultats de la recherche. D'accord, merci. Et c'était quoi ton idée? Tu vois, Hélène, j'ai réfléchi et je me suis demandé ce qu'auraient fait Watson et Docteur H dans une telle situation. C'était ça, mon idée. Camoine, vous êtes encore fâché? Qu'est-ce qu'il fait avec sa canne flamme, là? Laisse tomber, Axel. Je crois qu'il réfléchit plus vite. Pour commencer, ils auraient listé les principaux symptômes et, d'après leur connaissance, émis des hypothèses. Mais des fois, ça suffit pas et on peut s'agacer. Regarde-le! On peut demander de l'aide aux collègues, savoir ce qu'ils en pensent, leur avis, mais... si les connaissances suffisent pas, ils vont chercher dans leurs bouquins. Et malgré tout ça, parfois on trouve rien et la dernière solution, c'est une recherche PubMed. Et là, ils auraient trouvé, tout comme nous. Et c'est comme ça qu'on a pensé à la maladie de Steele. On a contacté le service de médecine interne, on a mis traitement en place et la patiente a rendez-vous demain dans le service. Waouh! Et on se forme comment à la recherche documentaire? Attends, il doit être encore là. Allez, viens. Suis-moi. Ok, je te suis. Bonjour Clément. Tu as bien reçu le document PEB que j'avais commandé, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vous les prends tout de suite. Tenez, c'est bien ce que vous cherchiez? Oui, tout à fait. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour Clément. Bonjour Aurélie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nathalie, tu as une formation prévue cet après-midi? Oui. Ok. Clément, tu penses qu'il est là? Oui, ils sont là-haut, ils sont en train de taffer un dossier avec le docteur H. Ça pose souci si j'y vais? Oh, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok. Bon, merci. Non, au revoir. Au revoir. Bonjour. 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 Est-ce qu'il est là? Oui, il est dans son bureau. Super. Allez, viens, on y va. Oui, entrez. Tu vois, Oscar, je suis absolument pas d'accord avec cet article. Docteur H? Oui. J'ai une amie qui aimerait se former à la recherche documentaire. Bonjour. Bonjour. Vous voulez former à la recherche documentaire? Oui. Ah bah je vous en prie, installez-vous, prenez place. Installez-vous confortablement. Très bien. Ça va? Bien installé? Alors c'est parti. Et toi aussi, comme Aurélie et Hélène, réponds à tes questions, regarde notre vidéo tutoriel.
Bienvenue sur les vidéos de Dr. H et compagnie. Nous allons voir maintenant son mode d'emploi. Nous vous proposons de suivre les vidéos et d'ouvrir soit une fenêtre de navigateur, soit le logiciel que nous utilisons pour reproduire le même exemple. Autre solution, avec deux ordinateurs, suivre la formation sur l'un des deux et la reproduire sur l'autre. Nous allons voir maintenant comment Aurélie a fait sa recherche et comment elle a mis ses outils en place. Pour tout geste en médecine, il faut des outils bien préparés. Elle s'est créé un compte MyNCBI sur PubMed. Cela lui a permis de paramétrer son compte, de faciliter ses recherches, mais et surtout d'installer l'onglet BCU, BCU Service Online. Nous allons voir tout cela dans les vidéos suivantes. C'est parti, comme je vous le disais, on va s'inscrire sur PubMed pour avoir un compte MyNCBI. Pour cela, on se rend en haut à droite de l'écran, sur la page d'accueil de PubMed, et on clique sur « Sign in to NCBI ». On arrive sur la deuxième page, où il y a deux choses à voir. La première, c'est toutes les options que vous offre un compte MyNCBI. La première, pouvoir sauver vos recherches et vous envoyer une alerte dessus. La deuxième, personnaliser votre PubMed. La troisième, pouvoir utiliser des filtres pour faciliter vos recherches documentaires. Les deux autres sont de pouvoir avoir un historique de 6 mois de vos recherches PubMed, ce qui est bien pratique quand on a besoin de retrouver une recherche datant d'il y a 3 ou 4 mois. Et la dernière, de pouvoir utiliser des outils que créent les bibliothèques, comme la nôtre, la BCU de Clermont-Ferrand, et de pouvoir ainsi accéder plus facilement à nos articles. Mais pour pouvoir bénéficier de ces options, comme je vous le disais, il faut d'abord s'enregistrer sur un compte MyNCBI. Pour cela, on va dans la deuxième colonne et on clique sur Register for a NCBI account. Sur cette page, comme pour bon nombre de sites qui vous demandent une inscription, il suffit de remplir toutes les coordonnées qui vous sont demandées. Je vous conseille de mettre votre mail et de vous mettre une question avec une réponse pour pouvoir retrouver votre mot de passe si besoin. Comme vous pouvez le voir, pour ma part, c'est fait. J'ai rempli toutes mes coordonnées. Et donc, je vais pouvoir créer mon compte PubMed en cliquant sur « Create account ». J'ai bien mon compte MyNCBI avec mon login Dr. H qui m'a rappelé ici ainsi que mon adresse mail de contact. Adresse mail auquel PubMed m'a envoyé un message pour que j'active mon adresse. Vous cliquez sur le message, vous avez ce lien, vous le suivez, et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez terminé votre inscription pour une MyNCBI et vous pourrez profiter complètement de ces options. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un paramétrage rapide de votre compte MyNCBI. Pour cela, on va toujours dans l'angle en haut à droite, vous commencez à avoir l'habitude, et on clique sur MyNCBI. Nous arrivons sur la page MyNCBI, qui est le tableau de bord de votre compte, qu'on approfondira dans d'autres vidéos, et on va aller sur Filters, Filters for PubMed, et on clique sur Add Filters. Je vous propose que nous cliquions sur trois filtres, dans Popular, pour les mettre en place, Clinical Trial, les études, Free Full Text, les articles gratuits directement en accès avec PubMed, et Review pour les revues de la littérature. Comme vous pouvez le voir, le tableau de mes filtres s'est mis à jour dans la colonne à gauche, et puis il y a d'autres catégories de filtres que nous verrons plus tard, Linkout, Properties et Link. Maintenant, allons installer l'outil de la BCU. Pour cela, on retourne dans MyNCBI, on va sur NCBI Site Preferences. Sur la page des préférences de MyNCBI, il y a plein de paramètres à remplir. Mais ce qui nous intéresse, c'est les paramètres généraux et les paramètres de PubMed. Et celui qui nous intéresse tout de suite, c'est l'outil permettant d'accéder à notre bibliothèque. Donc on clique sur Outside Tool. Là, on arrive sur une liste avec toutes les bibliothèques qui ont mis un outil en place et nous on descend jusqu'à BCU Service Online que l'on trouve ici. Vous cochez BCU Service Online, il faut sauver ce que vous venez de faire,
Donc vous remontez en haut et vous cliquez sur Save. Pour vous montrer l'intérêt de tout ça, on va prendre un exemple et on va aller ouvrir une page PubMed. Ce que je vous propose maintenant, c'est en tapant une recherche au hasard, exemple Blaud, PubMed s'interroge en anglais, où sont vos paramétrages? La première chose, c'est donc en haut à droite, vous avez les filtres que vous avez choisis, Clinical Trial, Free Full Text et Review. Vous voyez que la page de résultats de PubMed est importante et qu'il y a plein de choses à voir. Rassurez-vous, on les verra en temps et en heure dans d'autres vidéos. La chose que vous allez me demander, c'est « Mais où est l'outil BCU ?» Pour ça, on va aller dans un article. On va prendre le premier. On arrive sur la page de l'article avec son titre, ses références, son résumé. Et en haut, à droite, l'onglet BCU, le service de votre bibliothèque. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment utiliser cet outil, cet onglet BCU, à son maximum. Vous avez avec ça un compte MindCBA, fait un paramétrage rapide qui vous permet de pouvoir vous en sortir, d'accéder à vos articles et de pouvoir les filtrer. On va voir tout cela mis en place dans le cas de la patiente d'Aurélie. Aurélie et le docteur Rock étaient donc face à une patiente qui présentait une éruption cutanée, un rash, mais également un mal de gorge, sore throat. Et Aurélie ne se rappelait plus comment dire arthrite en anglais. Pour cela, elle est allée sur le portail de SysMef, où elle a pu, sur le portail terminologique de santé, trouver la traduction de son mot en anglais en tapant arthrite. Là, on lui dit que c'est arthritis, elle l'a recopié dans PubMed et a donc obtenu une page de résultats. La voilà. Comme vous voyez, Aurélie a paramétré son compte PubMed, ça on en reparlera après. Aurélie voit qu'il y a plusieurs résultats, mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une revue de la littérature qui puisse l'informer sur l'ensemble de ses signes. Donc elle a utilisé le filtre Review. Les résultats passent de 85 à 22 et elle se rend compte que l'ensemble des articles parle de la même maladie qui est la maladie de Still, Adult Onset Still Disease. Elle ne parle pas l'allemand. Elle a donc décidé d'aller sur l'article, le deuxième, en anglais. Elle a cliqué dessus pour avoir l'article, enfin son abstract, et là vous voyez que les trois mots-clés qu'a utilisé Aurélie dans sa recherche sont surlignés. En le lisant, elle se dit que c'est pas mal, mais elle aimerait en savoir plus, et pour ça elle aimerait bien accéder à l'article. Pour cela, elle se rend, et oui, une nouvelle fois en haut à droite de l'écran pour cliquer sur Service Online BCU. Aurélie arrive sur la page SFX de l'article et voit qu'elle peut accéder au texte intégral sur le site de SpringerLeak. Elle clique dessus. Là, elle va s'identifier sur son université, l'UDA. Elle rentre son identifiant et son mot de passe et elle s'identifie. Comme prévu, elle peut accéder à l'article en PDF. Elle clique dessus pour le télécharger. Aurélie a accès à l'article en entier. Elle le lit rapidement, pendant que le Dr Rock examine la patiente. Elle voit dans l'introduction qu'il existe des fièvres par pic à plus de 39. Elle regarde rapidement l'épidémiologie. Les signes cliniques, il y a une fièvre. Il existe parfois un rash, classiquement même. Qu'il existe des arthralgies et des arthrites, elle se dit que tout cela commence à bien ressembler à sa patiente. On tiendra peut-être le bon bout. On continue. Les examens de laboratoire, d'accord, il y a un niveau élevé de ferritine, ok, on continue. Les diagnostics différentiels qu'elle va devoir éliminer, d'accord, et score de Yamaguchi. Et là, elle se rend compte que la patiente correspond. Elle a bel et bien une fièvre à plus de 39, des arthralgies, un rash, mal à la gorge,
À l'examen clinique, le docteur Rock a trouvé une hépatomégalie. Eh, mais c'est peut-être bien ça. La patiente a peut-être bien une maladie de Steele. Et cela leur sera confirmé le lendemain par l'interniste qu'elles avaient contacté la veille et qui va donc leur assurer que leur patiente avait bien une maladie de Steele. Cet exemple pour vous montrer qu'avec PubMed, on peut résoudre un cas en direct au cabinet. Vous allez voir que PubMed pourra vous aider dans plein d'autres situations. On vous a prévu tout plein d'autres vidéos pour pouvoir vous aider. Et si jamais vous avez un souci ou une question, une adresse à pas oublier, BCU, Bibliothèque Clermont Université, la Bibliothèque de Santé et la Bibliothèque Numérique se feront un plaisir de vous aider. Bon courage, bonne formation en recherche documentaire et à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, salut!